Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler. Et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fralaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme, hein. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet, Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots comme moi qui sache raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du foufiéfé. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Tu viens à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Morbleu, ne me fais pas parler là-dessus, je dirais de certaines choses... Quoi? Que dirais-tu? Bon, baste, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. Bah, on en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Va mêler à terre. Ils me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ah, ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrillerai. Traître. Insolent. Trompeur. Lâche. Coquin. Pandore. Gueux. Bélitre. Fripon. Marron. Voleur. Oh, vous en voulez donc? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Qu'est-ce-ci? Quelle famille! Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme! Je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leur femme. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires? Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Oh! Compère. Je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites rocher! Battez comme il faut votre femme! Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah. C'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui.
apprenez que si c'est rondi qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Oh, hey. Bon, ça, faisons la paix, nous deux. Touche-la. Oui, après m'avoir ainsi battu. Oh, ce n'est rien, touche. Je ne veux pas. Ouais. Non. Oh, ma petite femme. Moi. Oh, allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Mais viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. Oh, fuis, c'est une bagatelle. Allons, allons. Laisse-moi là. Ah, touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va. Je te demande pardon. Mets là ta main. Je te pardonne. Oui, tu le pires. Mais tu es une folle, prends garde à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment. Ne faut que ragaillardir l'affection. Allez, va, je m'en vais au bois et je te promets aujourd'hui plus d'assort de fagots. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Un parquet de... J'avons pris là tous deux une gable commission. Hein. Eh, c'est pas moi ce que je pense au attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Oh, et puis, nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute, son mariage différé par sa maladie nous vaudrait quelques récompenses. Ah. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Ah. Et quoi qu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie, cette déboutée-là, dans la tête, puisque les médecins y avons tous perdu leur latin. Mais on trouve, quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord. Oh. Et souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge, à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne saurais les digérer. Monsieur. Je vous demande pardon. Je ne vous voyais pas. Cherchez dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Oui, cela se pourrait faire. Et nous tâchons de rencontrer quelques habile homme, quelques médecins particuliers qui pu donner quelque soulagement à la fille de notre maître attaquée d'une maladie qui lui a ôté, tout d'un coup, l'usage de la langue. Oui. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Oh, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme le plus merveilleux
merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Médecin qui coupe du bois. Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice. Oui, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue. Pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez point à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin, s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai. Mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert. Elle fait donc le médecin des perroquets. Non, mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois, qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte. Il y avait déjà 6 heures, et l'on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Ah ! Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Cela pourrait bien être, il n'y a pas 3 semaines encore, qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire. Et l'enfant, aussitôt, se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Ah, mais il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Destiné, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien en moi de l'avertissement que je vous ai donné. Borken, laissez-nous faire. S'il tient qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux de cette rencontre et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Ma foi, c'est assez travaillé pour un coup. Prenons un peu d'haleine. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables, hein.
Qu'ils sont doux, bouteilleux jolis. Qu'ils sont doux, tes petits glouglous. Qu'ils sont doux, bouteilleux jolis. Qu'ils sont doux. Qu'ils sont doux, tes petits glouglous. Ouais, voilà, dis-tu. Même mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours rempli. Ah, bouteille, mamie, pourquoi vous videz-vous? Ah, bouteille, mamie, pourquoi vous videz-vous? Allons, il ne faut point engendrer de mélancolie. Voilà. Oui. Oh. 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 Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que j'avons bouté le nez dessus. Voyons de près. Ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon. Oh. Et mon sœur ferait bien des jaloux si vous étiez toujours rempli. Mais mon sœur ferait bien des jaloux si vous étiez... Que diable à qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Le v'là tout craché, hein, comment nous l'a défiguré? Il consulte en me regardant. Quel dessin aurait-il? Monsieur. Vous appelez Sganarelle. Et quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Oh. En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Oh, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et... Nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Messieurs, si c'est quelque chose qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Oh, monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, hey, monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Non, le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, bouteille dessus. Voici des gens bien pleins de cérémonies. Monsieur, il ne faut point trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur... Je n'y épargne aucune chose et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je les vends sans dissoudre le sang. Ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Ah, je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Mais monsieur, c'est se moquer. Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon. Vous pouvez en trouver autre part à moi, il y a fagot et fagot. Mais pour ce que je fais... Eh, monsieur, laissons là ce discours. Je vous jure que vous ne les n'auriez pas s'il s'en fallait un double. Eh, si ! Non, en conscience, vous payerez cela. Je vous parle sincèrement et ne suis pas homme à surfaire.
faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte, qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrés les beaux talents qu'il a. Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment ? Tout ce tripotage ne sert de rien. Eh, je savonce que je savonce. Mais quoi donc ? Que me voulez-vous dire ? Bon, pour qui me prenez-vous ? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Oh, médecin vous-même ! Je ne suis point et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qu'il tient. Monsieur ! Ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc ? À de certaines choses dont nous serions maris. Oh, morbleu, messieurs, venez-en à tout ce qu'il vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. On voit bien qu'il faut se servir du remède. Non. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Testigué, ne l'antiponez point davantage. Et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'enrage. À quoi bon nier ce qu'on sait ? Pourquoi toutes ces frommes ? À quoi ça vous sert ? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Médecin ! Vous n'êtes point médecin. Non. N'êtes point médecin. Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Monsieur, je suis tout ce qu'il vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence ? À quoi bon nous bailler la peine de vous battre ? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Pour ma figuée, j'en suis fâché, hein. Franchement, hein. Que diable est ceci, messieurs ? Fin de grâce ! Est-ce pour rire ? Ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin ? Quoi ? Mais vous ne vous rendez pas encore ! Et vous vous défendez d'être médecin ! Le diable emporte si je le suis ! Il n'est pas vrai que vous soyez médecin ! Non ! La peste m'étouffe ! Eh bien oui, messieurs, puisque vous le voulez, je suis médecin. Médecin, apothicaire, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Oh, mais voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Ah, je vous demande aux excuses de la liberté que j'avais prise. Serait-ce bien moi qui me tromperais ? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu ? Monsieur, vous ne vous repentirez point de nous montrer ce que vous êtes, et vous verrez, assurément, que vous en serez satisfait. Mais, messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même ? Est-il bien assuré que je sois médecin ? Ah oui, par ma figure ! Tout de bon ! Sans doute ! Bah, diable emporte si je le savais ! Mais comment ? Vous êtes le plus habile médecin du monde ! Ah ! Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies hein. Tu, Dieu ! Une femme était tenue pour morte, il y avait 6 heures, elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste ! Et un petit enfant de 12 ans qui s'était laissé choir du haut de clocher. Ouf. De quoi ? Il a eu la tête, les bras, les jambes cassées. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'en fut jouer à la fossette. Diantre ! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez à vous laisser conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Ah, je suis médecin, sans contredit. Ah, je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question ? Ou faut-il se transporter ? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ah, ma foi, je ne l'ai pas trouvée. Il aime à rire. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin. Nous en prendrons une. Tenez-vous. Voilà où je mets
mes juleps. Et vous, marchez là-dessus, par ordonnance du médecin. Pas de sanguin, voilà médecin qui me plaît. Hein. Je pense qu'il réussira, car il est bouffon. Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait. Et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Parken, il faut tirer l'échelle après ce qu'il a. Et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser les souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Il a guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il a des moments où son esprit s'échappe et il ne paraît pas ce qu'il est. Ouais, il a bouffonné. Elle en dirait parfois, nous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache dans la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Bah, quand il s'y boute, il parle tout feudré, comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je le veux guérir. Ah, ma fille, monsieur, Stissy fera justement ce qu'en fait les autres. Je pense que ce sera que si, que mi. Et la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce serait selon moi un bio et bon mari pour qui a eu de l'amitié. Ouais, nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Et taisez-vous, votre ménagère Jacqueline. C'est pas à vous à bouter la votre nez. Hein. Je vous dis, c'est je vous douce, que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire. Que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe et de séné. Et qu'un mari est une emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Est-elle en état, maintenant qu'on s'en voulut charger, avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la mariée, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien, vous lui vouliez bailler un homme qu'elle n'aime point. Que ne preniez-vous ce monsieur Liandre qui l'y touchait au cœur? Elle aurait été fort obéissante et je m'en vais gager qu'il la prendrait, Élie. Comme allez, si vous la lui vouliez donner. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a qu'un oncle si riche dont il est héritier. Tous ses biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on court grand risque d'avoir les dents longues lorsque l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères... En cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Et le compère Biard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de veine qu'il avait davantage que le jeune Robin où elle avait bouté son amitié.
Il veut que la pauvre créature en est devenue jaune, comme un coin. Il n'a point profité de tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fut agréable que toutes les rentes de la bios. Ouais, nourrice, mamie, comme vous dégoisez, taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Marguerite, ouh, tais-toi, hein. T'es qu'une impertinente, hein. Monsieur n'a que faire de ce discours et il sait ce qu'il a à faire, hein. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est père de sa fille, hein. Et il est bon et sage pour savoir ce qu'il lui faut, hein. Tonio, Tonio! Monsieur, je veux un peu la mortifier et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. Oui, mais ces gestes-là ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela ? Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît ? Dans son chapitre des chapeaux. Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... À qui parlez-vous de grâce ? À vous. Mais je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin ? Ah non, vraiment. Tout de bon. Tout de bon. Yeah. Vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Quel diable d'homme m'avez-vous là amené ? Je vous avais bien dit que c'est un médecin goguenard. Je l'enverrai promener avec ses goguenards d'orille. Et prenez pas garde, monsieur, c'est que pour rire. Et cette oreillerie ne me plaît pas. Ah, monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis... votre serviteur. Je suis fâché. Ça n'est rien. Bah, des coups de bâton. Il n'y a pas de mal. Bah, que j'ai eu l'honneur de ne vous donner. Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je voudrais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Ça met beaucoup d'honneur. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop de grâce que vous me faites. Comment s'appelle la malade ? Lucinde. Lucinde. Ah. Beau nom à médicamenter, Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce que fait ma fille. Et qui est cette grande femme-là ? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste, le joli meuble que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Glou, glou! Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service et... Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi, est-elle votre femme ? Ouais. Oh, vraiment, mais je ne savais pas cela et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Tout doucement ! S'il vous plaît ! Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous, et je vous félicite, vous, d'avoir une femme là, si belle, si sage, si bien faite comme elle est. Oh. Et Tistiguet, point de compliments. Je vous supplie.
Ne voulez-vous point que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Ah, mais avec moi, tant qu'il vous plaira. Mais avec ma femme, trace de s'harmonie. Je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse? Pour vous témoigner de la joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Oh, vertigueux, monsieur le médecin, c'est de l'antipanage. Voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Oh, où est-elle? Là-dedans. Fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice. Visite son sein. Je n'ai que faire de ça, moi. Oui, c'est l'office des médecins de voir les tétons des nourrices. Il y a office qui tienne. Je suis votre serviteur. Quoi, as-tu bien l'hardiesse de t'opposer aux médecins, hors de là? Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Mais ôte-toi de là aussi. Oh. Est-ce que je suis pas assez grande pour me défendre moi-même? S'il me fait quelque chose, il ne soit pas à faire. Mais je veux pas qu'il tape, moi. Fille, le village est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, monsieur. Je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Ma foi, voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez, hein. Vous l'avez fait rire, monsieur. Et tant mieux. Lorsque le médecin a fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. De quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Que dites-vous? Quoi? Je ne vous entends pas du tout! Quel diable de langage est-ce là? Mais monsieur, c'est là son mal. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Mais pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grand. C'est fort bien fait. Hein. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Oui, monsieur. C'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Voyez comme il a deviné sa maladie. Et nous autres, grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé. Et vous eût été dire,
c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup et vous apprends que votre fille est muette. Oui. Mais, monsieur, je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Bon, il n'y a rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Bon, bien. Mais le fait, s'il vous plaît, qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de la langue. Aristote ! Là-dessus dit de fort belles choses. Je le crois. Ah, c'était un grand homme. Sans doute. Grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi. De tout cela. Pour en revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, c'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région. Des maladies venant, pour ainsi dire, à entendez-vous le latin ? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin ? Non. Cabricias arcituram catalamus singulariter nominativo aec musa. 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 La muse. Bonus bona bonum. Ah. Deus sanctus est ne oratio latinas. Etiam, oui, quare, pourquoi? Quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerut et casus? Que n'ai-je étudié? Oh, la vil homme que v'là! Ah, oh, c'est si bio que gnotto goutte. Ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve que les poumons, que nous appelons en latin ormian, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu cubilé, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules des omoplates. Et ces vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie, ces vapeurs ont une certaine malignité. Écoutez bien ceci, je vous conjure. Hein. Oui. Une certaine malignité qui est causée par... soyez attentif, je vous prie. Je le suis. Qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrée dans la concavité du diaphragme. Il arrive que ces vapeurs... Osabendus, Nikies... Necker potarinum quipsa milus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Oh, c'est bien dit, notre homme. Que n'ai-je la langue si bien pendue, hein? On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Oh. Il n'y a qu'une chose qui m'a choqué.
c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont, que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela était autrefois ainsi, hein. Mais nous avons changé tout cela. Nous faisons maintenant la métier d'une méthode toute nouvelle. Oh, c'est ce que je ne sais pas et je vous demande pardon de mon ignorance. Oui, il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Hein. Sans doute. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire? Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit. Et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Mais pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le pain et le vin, mais les ensembles, une vertu sympathique. qui fait parler. Ne voyez-vous pas qu'on ne donne autre chose aux perroquets? Et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai. Oh, le grand homme! Vite! Quantité de pain et de vin! Je reviendrai voir sur le soir dans quel état elle sera. Doucement. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques remèdes. Qui? Moi? Je me porte le mieux du monde! Tant pis, nourrice, tant pis, mais cette grande santé est à craindre. Il ne serait pas mauvais de vous faire... quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Eh, monsieur, voilà une mode que je ne comprends pas. Pourquoi ça les faire saigner quand on n'a pas de maladie? Il n'importe, la mode en est salutaire. Et comme l'on boit pour la soif à venir, il faut se faire aussi saigner pour la maladie à venir. Par ma foi, je me moque de ça. Je ne vais pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétifs aux remèdes, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Vous attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai pas, monsieur. Monsieur. Au point du tout. Un petit moment. En aucune façon. De grâce. Vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Et ce n'est pas l'argent qui me fait agir, hein. Je le crois. Cela est-il de poids? Oui, monsieur. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Mais je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Ma foi. Cela ne va pas mal, et pourvu que... Monsieur! Monsieur, il y a longtemps que je vous attends, et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Je ne suis point malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes point malade, que diable ne le dites-vous donc? Non, monsieur, pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre. Je suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment osez vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit. J'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent. Mais monsieur, doucement. Un mal avisé. Mais je vous apprendrai que je ne suis point un masselin et que c'est d'une insolence extrême. Monsieur. De vouloir m'employer. Je ne dis pas cela pour vous, car vous êtes honnête homme et je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté. Mais non, vous vous moquez. De quoi est-il question? Monsieur, vous saurez donc que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait
Tu du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause. Et que Lucin n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de crainte qu'on ne nous voie ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur. Vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou elle sera à vous. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire, il suffit de l'habit. Je n'en sais pas plus que vous. Bah, diable emporte si j'entends rien en médecine. Bon, comme vous êtes honnête homme, je veux bien me confier à vous, comme vous vous confiez à moi. Quoi ? Bah, vous n'êtes pas. Bon, effectivement. Et non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant. Et puis toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force, ils voulaient que je fusse médecin... Je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On vient me chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute la vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il en paye les pots cassés. Mais ici... L'on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont jamais pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Et jamais l'on n'en voit à se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, nous venons vous chercher, mon fils, Perrin, et moi. Qu'y a-t-il ? C'est sa pauvre mère qui a nom Parette, qui est dans un lit.
malade il y a 6 mois. Que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais donc que vous lui baillissiez quelques petites drôleries là, pour la guérir. Il faut voir encore de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui. C'est-à-dire qu'elle est enflée partout. Et elle en dit que c'est quantité de sériosité qu'elle a dans le corps. Et que son foie, son ventre, ou sa rate, enfin, comme vous voudriez bien l'appeler, hein, au lieu de faire du sang, ne font plus que de l'eau. Oh, elle a de jours là la fièvre quotidienne, avec des douleurs et des lassitudes dans les mufles des jambes. L'on entend parfois des flemmes dans sa gorge qui sont tout prêts à l'étouffer. Et parfois, il lui prend des syncoles et des conversions. Que je crayon qu'elle est passée. J'avoue, dans le village, un apothicaire, révérend se parler, qui lui a déjà donné je ne sais combien d'histoires, et il m'en coûte plus d'une bonne douzaine d'écus en lavement, ne vous déplaise, en apostume qu'on lui fait prendre, en infection de jacinthe, en portion cordale, mais tout ça, comme dit l'autre, là. C'est de longan, miton, mitaine. C'est des longans et des mitaines. Oh, il voulait lui bailler d'une certaine drogue qu'on appelle... Le vin améthyl. Hein? Le vin améthyl. Hein? Le vin améthyl. Oh, imbécile. Améthyl. Mais j'ai eu peur, franchement, que ça l'envoyait à Patresse. Elle en dit que ces gros médecins tuent je ne sais combien de monde avec ces inventions-là. Bah venons-en en fête, mon ami, venons-en en fête. Le fait est que venons vous demander de nous dire ce qu'il faut que je fasse. Je ne vous entends point du tout. Non, mais c'est ma femme, elle est malade. Depuis 6 mois, elle a des yeux sur les... Monsieur, ma mère, elle est malade. Et voilà 2 écus. Je vous apporte pour que vous nous bailliez quelques remèdes. Je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement et qui s'exprime comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hydropisie. D'hypocrisie, oui. Qu'elle est enflée par tout le corps. Hein? Qu'elle a de la fièvre. Avec du mal dans les jambes. Dans les muscles des jambes. Et qui lui prend parfois... Des syncopes. Des syncopes. Et des conversions. Et des conversions et des convulsions. C'est-à-dire... C'est-à-dire des conversions. Non, c'est-à-dire des évanouissements. Ah, oui, non. C'est justement ça, monsieur. Mais j'ai compris d'abord vos paroles, mais vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Et maintenant, vous me demandez un remède. Oh. Oui, monsieur. Oh, non. Un remède pour la guérir. C'est comme nous l'entendons. Voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Ouais. Non. C'est un fromage préparé où il y entre de l'or. Du corail. Et des perles.
et quantité de choses précieuses. Je vous somme bien obligé. J'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Allez, là, allez. Et si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà la belle nourrice. Cœur, que je suis ravi de cette rencontre, et votre vue et la rhubarbe, la casse et le séné qui purgent toute la mélancolie de mon âme. Par ma figuée, monsieur le médecin, ça est trop bien dit pour moi et j'entends rien à tout votre latin. Ah, devenez malade, nourrice, je vous prie, devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Je suis votre servante et j'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice. Ben, avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien Calibroute. Oh, comment un rustre comme cela? Un homme qui vous observe toujours et qui ne veut pas que personne vous parle. Hélas, vous avez rien vu encore. Et c'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice. Et qui ne sont pas loin d'ici, hein? Qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons? Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains et... Un franc animal, un brutal, un stupide, un sot. Ah, pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Eh, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Ah, bon, sans doute qu'il les mérite. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête. Oh, pour le punir des soupçons qu'il a. Que si j'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ah, ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. Ah, c'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour... Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin? Ah oui, de partout les guêbles, je l'ai vu, et ma femme aussi. Où est-ce donc il peut être? Je ne sais rien, mais je voudrais qu'il fût à tous les diables. Et va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Ah bah tant mieux, c'est signe qu'il opère. En opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Oh, ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes pour tout et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme-là que vous amenez? C'est... Quoi? À celui... Hein?
qui ? Oh, je vous entends. Votre fille en aura besoin. Hein. Monsieur ! Voilà votre fille ! Qui veut un peu marcher. Oh. Cela lui fera du bien. L'apothicaire tâtère un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Et moi, je dis que oui et non. Et d'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause, que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive. On voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune et que le soleil qui tarde ses rayons sur la concavité de la Terre. Voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Oh, admirable médecin. Que je vous suis obligé de cette guérison merveilleuse et que puis-je faire pour vous après un tel service? Voilà une maladie qui m'a donné bien de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole. Mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais... rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Quoi ? Vous m'opposerez en vain de belles raisons. C'est... tous vos discours ne serviront de rien. Je... c'est une chose où je suis déterminé. Mais... il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Je... vous avez beau faire tous vos efforts, il... mon cœur ne saura se soumettre à cette tyrannie. La... je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais... non, en aucune façon, point d'affaire, vous perdez le temps. Je n'en ferai rien, cela est résolu. Ah, quelle impétuosité de parole, il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. Je vous remercie. Penses-tu donc ? Non ! Toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Oh, mon Dieu, bon, arrêtez-vous. Bon, laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il y faut apporter. Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez guérir aussi cette maladie d'esprit ? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez bien que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père. Qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries et qu'il faut trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative que vous mêlerez comme il faut avec 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre le remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez.
Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin pour préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Bon, surtout, ne perdez point de temps. Ah, on remède spécifique. Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouïes nommer. Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Oh. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Ah, les filles sont quelquefois un peu têtues. Oh. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de se laisser éondre. Oh, la chaleur du sang fait ça dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille renfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai bien empêché qu'ils aient eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Bon, sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On me dit qu'il fait tous ses efforts pour la voir. Quel drôle. Mais j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Et il perdra son temps. Ah, il n'a pas à faire un saut. Et vous savez, des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête. Par Fantienne, monsieur, v'là bien du tatanard. Votre fille s'est enfuie avec son Liandre. C'est lui qui était son apothicaire. Et v'là, monsieur le médecin, qu'a fait cette belle opération-là. Comment m'assassiner de la façon? Allons, un commissaire, et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître, je vous ferai punir par la justice. Par ma fille, monsieur le médecin, vous allez être pendu. Oh, ne bougez de là seulement. Oh mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le v'là, qui va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Hélas, et qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on te va pendre? Tu vois. Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Ah ben, retire-toi de là, tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Le commissaire viendra bientôt et l'on s'en va vous mettre en un lieu où l'on me répondra de vous. Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, non. La justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite, nous deux, et de nous aller marier ensemble. Non, mais cette entreprise a laissé place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille. Et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Non ! Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Et je vous laisse ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine l'a échappé belle. Hein? Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin. Bon. Car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui! C'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton! L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec une personne de ma conséquence. Et songe que la colère
d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Ah!